esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo. Hey, excuse-moi, t'aurais pas 2000 euros à me prêter? Ouais, bien sûr. Putain, merci. De rien, mec. Seule l'élite, je dis bien seule l'élite, connaissent cette personne. Et toutes les personnes qui connaissent cette personne, sachez que je vous aime. Sachez réellement que je vous aime. Ouais. Tu découvres le billet qui est à l'intérieur, il est pour toi. 20 euros. C'est pas 20 euros. T'as une deuxième chance. 50 euros. C'était 100 euros. Merci, non. Non, non, tu l'as pas trouvé. Si. Lâche. Si. Manji, lâche. Si. Allez, prends-le. Merci, mon sang. Ton projet dans la vie, c'est quoi? Devenir acteur ou rappeur. De devenir acteur ou rappeur? Ouais, ouais, un des deux. Vas-y, fais-nous un petit rap. Je baisse des mères sans sommation, je paye pas la consommation. Je suis dans le rap, j'ai bougé le rein. Je suis dans le rap, j'ai bougé la frappe. Si je viens en équipe chez toi, c'est quand je serai plein, bang, bang. Je m'en remets pas. Waouh, quel. C'est incroyable, ouais. Je sais, je suis trop fort. Ouais, 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 elle est remplie. Elle est remplie. Et genre là, tu vas faire cul sec d'un Fanta citron. Il m'a dit que c'était son deuxième talent. Non, mais c'est pas vrai, tu vas t'arrêter au bout d'un moment. T'es trop fort. Mais t'es trop fort. Je vais monter, je vais minimum en gifler 4. Voilà que je vais minimum en gifler 4. Regardez ma cour. Certes, là, la terre, c'est les chiens. C'est les chiens qui ont fait caca, etc. Mais ça, c'est d'autres chiens d'en haut, la chaîne qui jettent. Regardez. Regardez le nombre de mégots. Regardez les paquets de cigarettes. Regardez la canette. Et tout ça, c'est ce qu'ils habitent en haut. Allô? Allô? Ouais. C'est qui ça? Il a qui ce soutif? Moi aussi, tout à l'heure, je te l'ai demandé. Allô? Ce chiffre-là, il a personne. C'est la taille à qui ça? Je connais pas la taille des soutiens-gorge. C'est trop balèze pour moi, je te demande. C'est trop balèze pour toi? Ça veut dire que c'est toi. Oh là là. Oh là là. C'est pas ta taille. J'en ai pas de ça. C'est pas la taille de Lauriana. Non. Ça veut dire que c'est le tien. Pourquoi que moi? Mais ça peut être qui? Mon soutif à moi? Vas-y, check. Voilà, vas-y, vas-y, dégage, j'ai fait attention à tes culottes là. Comment tu fais l'homme? Mais comment tu fais l'homme? Attends, bouge pas. Mais tu sais que ça y est, t'as de la vraie stache mou, t'as de la vraie moustache. Hein. Voilà. Voilà. Ça, moi, je commence à grandir. Ouais. Un vrai corps de Sangoku, hein. Quoi? Je veux rien savoir, voilà. La boxe, ouais, c'est le sport le plus physique. Je vous jure que. Bouge. Oh, c'est trop physique, regardez, j'ai des gouttes. Après 20 minutes d'entraînement, regardez dans quel état je suis. Voilà, magnifique. Ah, ah, c'est bien. Quoi, blessé le premier jour? Ah ouais, les jeunes ils sont comme ça, ils ont tapé sur les tibias. Ils ont pas connu la Thaïlande. Ah, on a, laisse-moi me relever, je vais le boulonner. Allez, relève-toi, relève-toi. Ah, je tape pas avec les pieds. Parce que je vais lui faire mal, le jeune. Non, c'est pas passé. Non, tranquille. Lui est en train de toucher les armes en anglaise, là, comme ça. Regarde ce que tu fais. Balaye, moi, de l'intérieur. T'as vu comment tu l'arrêtes? Vas-y. Il est en train de t'enchaîner, ouais. Je t'enchaîne, balaye. Il m'a dit qu'il savait pas où dormir et qu'il voulait me donner 300 euros par mois pour l'héberger dans l'appartement de la Team Nasdas. Je lui ai dit que je voulais pas de ces 300 euros, la chanter. Et là, je vais le présenter à tout le monde. Il va vivre avec eux je ne sais combien de temps. Tu stresses. Ouais, voilà. Tu stresses. Excusez-moi tout le monde. Lauriana, il y a qui là? Tout le monde se réunit au salon, s'il vous plaît, 4B. Voilà. Tout le monde se réunit au salon. Tout le monde se réunit au salon, s'il vous plaît. Rends-toi, arrête de faire le hachemin. Il y a qui, là? Samos, Bison. Pff, qu'est-ce que vous faites là, les deux, là? Bref, il n'y a plus personne? Plus personne. Allez, arrête de stresser, parle-leur, normal, c'est des êtres humains.
Enfin, presque tous. Allez, vas-y. Pourquoi tu mets ton freestyle? J'ai pas compris. Ouais, je faisais. C'est quoi son délire à lui là? C'est... Présente-toi, je sais pas. Je m'appelle Kélib, j'ai 20 ans. Je suis célibataire. Et tout le monde dit je suis bizarre, mais pourtant je suis pas bizarre. Tout le monde dit qu'il est bizarre, mais il n'est pas bizarre. Et en gros, il va vivre dans l'appartement de la Tchoum Nazas. Je ne sais pas combien de temps, mais il va y vivre. On lui dit tous bienvenue. Allez, décontracte-toi. C'est vraiment en train de partir trop loin, la tête de ma mère, que c'est vraiment en train... J'étais en train de redescendre pour rentrer chez moi. Je vois ce monsieur avec autant de suçons. Qui est la personne qui t'a fait ces suçons? Mais non. Bientôt, je le dis clairement, on va faire des éliminations. Déjà, de 1, on est trop. Et de 2, il y a des choses qui ne se font plus. Oh, les gars, on se respecte plus. C'est devenu la villa des vrais, vrais culs brisés. On suis d'accord? Attends, c'est quoi? Le nouveau. Viens, t'en penses quoi? T'en penses quoi que cette personne, elle flirtait avec le cuistot, elle a flirté avec Rimo, et là, maintenant, tu t'attaques à lui? Vas-y, t'en penses quoi? Ouais, il a de la chance. Comment ça, il a de la chance? J'ai dit au cuistot que ce soir, j'avais une envie d'américain steak frites, le sandwich que tout le monde connaît. Du coup, je lui ai demandé de me faire un américain à sa manière. Et regardez ce qu'il nous a fait. Regardez ce qu'il nous a fait à Morgane et moi. Un américain, regardez juste le pain. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Il y a des frites faites maison avec du steak haché, kefta, poivron, salade, sauce maison et un peu de bacon. Et Leïna qui a fait des suçons. C'est le mec qui change. Ouais. Leïna, elle a fait un suçon à gâter, t'en penses quoi? Franchement, je m'en fous, je suis sur la cuisine. Moi. Arrête le con de ta mère, à chaque fois que tu t'approches de ce petit, il pleure. Vas-y, dégage. Et ce prendre là, le petit, il pleure que quand sa mère s'approche de lui. Eh, casse-toi là. Ce prendre là, on dirait un monstre. C'est bon, mon fils. Le monstre, il est parti, le monstre. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris de la broume. Elle a prévenu personne. Elle a pris une love room, la chanter. Une chambre avec jacuzzi et tout, apparemment. Avec regardez. Regardez, jacuzzi. Regardez. Là, il y a même un cinéma. Wallah, sur la tête de ma mère. Il est avec un mec. Et c'est le mec numéro 1760, SCP. Mais sûrement que si elle a pris une love room sans rien dire à personne, c'est qu'elle est partie voir son 1700. Tiens, mec, comme il dit Cappuccino. Oui, 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 cette gadji, elle change de mec comme elle change son slip. Tu n'as pas compris qu'elle change de slip. Franchement, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me l'envoyer. Qu'est-ce que je vous dise? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je sais même pas. On venait pour aller chercher Asia, contrôle. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Les gars, on va rentrer. Quand je rentre, directement, on cherche le mec. Vas-y. Sûr, il y a un gâteau avec elle. C'est sûr et certain, il y a un gâteau, les gars, d'accord? On le tape. Hein? On le tape. Non, on tape personne. C'est qui? Ouvre. C'est moi, c'est Nas, ouvre. Non, j'ouvre pas, Nas. Ouvre, ouvre. Hein? Ouvre ou je casse. Pousse-toi, rentre. Vas-y, rentre. Y'a qui avec toi, je rigole pas. Y'a qui avec toi? T'es avec qui? T'es avec un. Non, je rigole pas, y'a qui avec toi là? Oh, je parle! Eh wallah, il y a carrément un cinéma. Oh, la tête de ma mère. Ça fait 27 ans que je suis à Perpignan. Je ne savais même pas qu'une suite comme ça existait. C'est bon. Il y a les voisins. Oh, regardez. Mais jacuzzi. Qu'est-ce que je suis. Elle s'est mise bien, oula. Tête de ma race, ça fait rire en plus. Ça lui fait rire.
C'est la caille, ma gueule. C'est ta dernière nuit ici, mais demain à 8h, 8h à la maison. J'ai payé 2 jours. Vas-y, c'est t'as bon, payé bon, 2 jours ouais. Laisse tomber, je vais rester avec elle ce soir, comme ça moi je sais que tout se passe bien. Et même si elle veut partir, on sera mis en mec. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, rappelle-toi. Oh, personne reste ici. Soirée à 4. Ah, remets tes chaussures, oh, il n'y aura ni son âme ni mes couilles. Vas-y, crevette. Bon les gars, je vous dis la vérité. Ils ont réussi à me convaincre. Pourquoi Pourquoi partir? C'est vrai, pourquoi partir? Arrête, faut qu'on te démon. C'est bon, on reste 10 minutes et on rentre à la maison, d'accord? On est pas mal là. On est vraiment pas mal là. Oh là là. On est venu pour voir s'il n'y avait pas un mec. On s'est tous retrouvés en caleçon lâcheté. Et on l'a. Ah, c'est la vraie chété, regardez les deux, non, c'est des sièges massants. Voilà, regardez, maman. Ah, ça va, on a le droit de profiter un peu, quoi. Enfin, un minimum tranquille, la chété. Je vais m'allonger avec Morgane et mon fils. Et en fait, le soir, Morgane et moi, on passe notre temps à l'observer. Regardez, ouais, tout le temps. Je vous jure. On le regarde. Et c'est la plus belle chose qu'il y a à regarder. Genre. Mais attends, mais répétez tranquillement, regarde, je suis fatigué. C'est plus possible, je te jure, la série, il est trop bizarre. Il fait des actions bizarres. Il se balade dans le caleçon. Dans la maison, il me regarde bizarre. Il regarde avec insistance, il est trop chou. Il fait trop peur. Moi, je sais que je peux pas dormir dans aussi, c'est comme ça. Morgane. Oui. J'arrive. Là, j'en ai marre, là. Oh là. On découvre, vas-y, monte. C'est moi si une meuf comme ça. M'a dit ça tire des meufs. Et je t'habille comme ça. Je vais même pas rigoler avec. Ouais, je vais même pas rigoler avec toi. Pourquoi t'es en caleçon? Il m'a dit même. Tu t'es réellement baladé en caleçon dans l'appartement? Ouais, mais c'est il m'a dit. C'est toi tu lui as dit? Moi je t'ai dit, ouais. Moi je t'ai dit. Ouais, il m'a dit ça tire des meufs. Porte, vous régalez à regarder ou pas? Allez, ailleurs. Tu t'es mis en caleçon? Parce que Samos t'a dit de te mettre en caleçon. Les meufs, ils m'attirent tout ça. Que les meufs, elles vont kiffer ça, ouais, il t'a dit. Ouais. Et t'écoutes ce trou du cul. Ouais, voilà, c'est comme moi. Tu crois que j'ai envie de rigoler avec toi, mon pote? Non, mais c'est. T'as quel âge? 20 ans, j'ai jamais rien fait de ma vie. Les meufs, ils veulent pas me moiter. Et moi, je suis. Les meufs ici, ils me plaisent. Il y a des filles qui me plaisent, j'ai déjà repéré une. T'as jamais eu de copine? Jamais. T'as jamais embrassé une fille? J'ai jamais touché, j'ai jamais rien fait. Et et toi, la solution pour qu'il trouve une copine ici, c'est de lui dire de se foutre en caleçon et se balader. Tout ce que je lui ai fait faire, il le fait, mon frère. Non, ça me fait rire, bon, ça. Ça te fait rire? Ouais, c'est un trou du cul. On arrête de dire c'est un trou du cul. Parce que si lui, c'est un trou du cul, n'oublie pas que toi, t'es la reine des trous du cul. Trou du cul, arrête de rigoler. Voilà, arrête de rigoler. Voilà. Rappuie-toi, toi. Vas-y, reste là, je vais chercher ta tenue, reste là. La famille, là je vais aller chez Nasser, il est juste en bas, regardez. Wesh Nasser, ça va ou quoi mon frère? Ah ouais, t'as changé, ça y est, t'as plus le temps là. J'ai plus le temps, hein? Tu as filmé sa tête. T'inquiète pas. Genre là, cuistot, ça te prépare à manger et tout. Mais quoi, t'es jaloux? Non, je suis pas jaloux, mais t'as capté. Non, ah, mais ça, tu restes mon premier fils, calme. Ouais, tu l'as oublié. Tu restes mon premier fils, viens t'allonger sur moi toi aussi. Viens t'allonger toi aussi sur moi. Bon. Là, on est 3. Ça y est, voilà. La avec Morgane, 4. Oh, ma moitié. Et quoi là? Là tu vas me faire gagner un cadeau. Je te pose une question, t'as la bonne réponse, je te fais gagner. Mais moi je suis... Hein? Franchement les questions et tout ça frérot, je suis pas chaud. Ah, t'es un Algérien mon frère? Je suis un Algérien mon temps. Cite-moi 5 villes en Algérie, t'as gagné. Oran, c'est des Bel Abbès, Bejaïa, Steve, la santé là. Ah, c'est plus compagnie, c'est léger. Et...
voulez acheter un? Vas-y, c'est carré. Je rigole, mon gars. On y va. Eh, c'est le meilleur, les gars. Allez, il va vous poser des questions. Tu réponds à sa question. Tu gagnes un cadeau, mon frère. Tu pioches dedans. Vas-y, dis-lui. Il va te questionner. Allez, c'est moi la question. C'est à moi la question, mon frère. Vas-y. Ah, tu veux une question? Bah ouais. T'aimes le foot? J'aime un peu le foot. Ben, cite-moi les deux années de victoire de la CAN, l'Algérie. Mouaz! Double Mouaz! Faut que j'imagine pas qu'on te casse. Les gars, t'as son capuchon. Cassé. L'affaire va pas péter. Cassé. Pas peur de la chute. Ça sent bon par là. Mon pote. Il y a un petit truc pour moi ou quoi? Recule, recule, recule. Une. Laisse, dégage. Une tranche. Dégage. S'il te plaît. Pousse, ici. Derrière. Ouais, celui qui t'a cadré, il va s'énerver, voilà. Ha ha ha, t'as peur hein? Mange vite la frite, mange vite la frite. La team, en ce moment je suis à la recherche d'un combattant. Mais j'ai repéré une proie facile. J'ai repéré ma proie facile. Et je crois que je vais lui proposer un combat. Mais il est trop faible pour moi. Trop faible. C'est pour ça que j'ai envie de le défier. C'est trop facile. Ça va être un combat. S'il accepte, laisse tomber. Wow, Mamadou, tu fais quoi? T'es bizarre, Mamadou. Oh là, t'es bizarre, mon chouï. Quoi que tu fais quoi? Tu balades le chien avec Camille? Moi, ça donne envie aux filles. Ah. Pininou, Pininou, viens, j'ai pour toi un beau truc, viens. Hein? Tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais viens, il faut que tu rentres ta main, tu prends qu'un seul truc. Non, mais il faut pas que tu regardes. Rends ta main là-bas, vas-y, prends. Montre. Bob. C'est à toi, tu l'as gagné, regarde le ticket. C'est combien elle coûte, ça, c'est pas le même jeu, le Pininou. Tu peux lui offrir cadeau à ta soeur, Mélissa. On dit quoi? Merci. De rien. Merci. Avec grand plaisir, frérot. Merci, voilà. T'es gentil. Franck. Hey, Franck. Salut, je suis là. Peux-tu mettre le Bluetooth de la voiture, s'il te plaît? Je dois me laver les oreilles, mais je n'ai pas d'oreilles. Peux-tu répéter? C'est un mec, il a pas entendu, Yézé. J'ai fait confiance. Ça se voit qu'il me donne. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là? T'en mets-toi comme ça? Ouais. Attends, elle rigole un petit peu comme ça, c'est bien. Ouais. T'es prêt? Maman, je t'aime! Le joueur numéro 7, il avance sur le terrain. Il avance, allez, Pino Sos Boursin. Il fait la passe au cheese. Et le but numéro 1. Et 1-0 pour cheese, allez, Pino. Coucou! Coucou! Alors, les filles mettent tout le temps des fossiles, c'est trop beau, sauf que moi, je sais pas faire. Quoi? J'ai cru qu'on était 40 dans la maison et j'ai fait un paquet entier de pâtes et du coup il y en a trop. Et ce soir, c'est pas un problème ça. Pas grave. Elle est trop mignonne. On va faire un trait d'eyeliner avec la colle à fossile. Ouais. Voilà, je le sens pas, histoire, je veux le faire. Mais moi, je suis toute seule, j'arriverai jamais à faire ça. C'est quel côté? Impossible, j'arrive. Putain, moi, je dirais que je vais faire un show. Pourquoi sur moi ça fait moche? Tu peux voir? Mais ça te va bien, ma vie. Ah ouais? Mais oui. Je dirais qu'elle est belle, s'il vous plaît. Vous préférez ce côté?
ou ce côté. Du coup, on a changé de forme de fossile. On a mis E. Vous aimez bien. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien. Notre cuistot préféré. Elle nous a fait des pâtes bolo. Et encore les petits avocats trop bons comme hier. Vous avez kiffé. J'adore. Bon, du coup, j'ai de l'aide. Il y a ma Lolo qui est venue m'aider à monter le meuble. Regardez. Alors, elle vient de découvrir qu'un tournevis est aimanté. Viens, essaye le vinaigre. Bah oui, mais tous. Même le petit. Mais oui. Truc. Bon, Samos, t'as mis la tenue de travail. T'es venu nous aider. Ouais, super. Allez, venez, on le laisse. On le laisse. On le laisse. Tu vas y arriver ouais. Eh, hey, y a des rapprochements, là, 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 là. Attends, tu m'as dit quoi? J'ai rien dit. T'es amoureux de qui? Wallah, wallah, t'as dit t'es amoureux de Dina. Mais t'as un baiser, c'est wallah, j'ai rien dit. T'as dit t'es amoureux de Dina. Wallah, j'ai rien dit. Jure que non. Ouais, t'as dit t'es amoureux de Dina. Non, non, je la veux. Attends, mais t'inquiète, je peux t'arranger un coup si tu veux. Enfin, je peux essayer. Tu l'essayes? Mais c'est trop moche. Mais c'est dans... La beauté, c'est là, non? Ouais. Vas-y, t'inquiète. On les aime fraîches, bien michaud, qui savent accueillir comme dem dem, comme dem dem, comme dem dem. On les aime fraîches, comme dem dem. On les aime fraîches, bien michaud, qui savent accueillir comme dem dem, comme dem. Ah la 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 la, c'est les bangor. La 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 la, c'est les bangor. Sois moi bloqué ainsi. Bonjour mes amours, là je suis avec Mamadou. Dis leur bonjour. Ah bah bonjour. Et du coup, je me suis levée et tout, mais j'ai pas dormi de la nuit en fait. Alors, vu que j'ai rattrapé ma nuit, et ben je n'ai pas dormi de la nuit. Du coup, là, je vais l'acheter un survêt et une paire de TN. Bon, du coup, la chim, je suis ressortie avec trois sacs. Je suis ressortie avec trois sacs parce que genre, j'aime trop les TN. Et du coup, j'ai pris deux paires et j'ai pris un enfant. Bon, la chim, je vais vous montrer mon ensemble que j'ai pris. Là, il y a le haut et je vais vous montrer le bas. J'ai pris le bas comme ça. Vous voyez, je ne dirais pas le frein TP et les TN comme ça, c'est les premières, ils vous montrer les autres à la maison. Quand je ne dirais pas le frein TP, sérieux. Je ne dirais trop le frein TP. Au moins, je sais. Et aussi, j'ai acheté celui-là aussi. Celui-là. Ah ouais, Zami, ça mérite un snap. Ça mérite un snap. Et non, Zami. Ouais. Bon, coucou la team, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris une love room. Je vais vous montrer où je vais dormir. Donc, là c'est la salle de cinéma. Avec la salle de bain, la petite salle de bain. Ensuite, j'ai. Et aussi la team, je vous ai pas dit qu'il y avait un petit jacuzzi. Genre, je voulais pas montrer. Genre là, il y a le jacuzzi et tout. Attendez. Regardez, il est trop bien. Genre, ça fait une fontaine et tout, c'est vraiment super. Oh là là, j'ai pris une barquette de kebab, des frites, nuggets, boissons et tiramisu au chocolat. Ah la 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 la, c'est le bangor. La 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 la, c'est le bangor. J'ai pris mon taxi, j'ai oublié ma paire de LV. Elle est encore là, elle a pas bougé. Oh là là, les hommes, putain. J'ai oublié ma... Allez, on va reprendre des forces. Et là, c'est énorme. Ben, je t'ai manqué. Fais-moi un bisou. Encore. Un câlin. C'est toi ou Néana? C'est toi, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est Nana. Non.
sieste, tu vas manger. Ben, il a raison, Slimane. Le dimanche, c'est journée tranquille. Manger, la sieste. Bébé Slimy qui fait des bêtises, hein? Mais ils font quoi là? Hein? Ils font quoi? Pourquoi ça se voit pas? Mais. Hein, Slimane? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Qu'est-ce que tu fais, Nana? En plein salon, tu m'as fait ça là? Ouais. D'où l'autre? Mais non, papa! Oh! Comment tu m'as appelé? Papa Robert! Toujours les dimanches, c'est des journées comme ça qu'on passe, moi, bébé Slimy et les autres. C'est qui a cassé ça? C'est toi! Hein? Nana, donne-moi tes photos de classe, c'est bon, tu les as reçues vendredi? D'accord. Donc, tu as eu vendredi, c'est bon? Bon, il faut savoir que ma mère, elle n'était pas dans l'expansion du développement économique. Elle était dans l'économie intensive. Vous voyez les pochettes de classe? À l'époque, elles coûtaient cher. Et ma mère, vous savez ce qu'elle faisait? Elle allait chez un photographe, il lui faisait les doubles de la pochette complète et ça lui revenait à moitié prix. C'est un truc de malade. Ça me rappelle des bons souvenirs. Maintenant, il faut savoir que dans les pochettes, elles sont cryptées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller faire un double. C'est fini. C'est soit tu les retires par internet, soit ils te mettent un truc au milieu du visage pour pouvoir faire le double. Ah là là, les anciens. Faut vivre à l'ancienne des fois, je vous jure que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Mais moi, je regarde toujours d'où je viens pour savoir où je vais l'équipe. Comment la question tombe à pic. Il passe demain pour son évaluation par rapport à cette chanson. Et je reviens vers vous demain pour vous donner sa note. Yeah, un, ouais. Mix party ce soir avec DJ Hamida. Allez l'équipe, joyeux anniversaire à Miloud. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti l'équipe. Yeah, 1, 1, 1, clair. Allez l'équipe, bonne soirée à vous. Arrête. Tu te rappelles ce que tu m'as fait la dernière fois mon frère? Je t'avais quoi? Tu es là? Je crois qu'il va y avoir bientôt. Mais quoi, t'as fait un entraînement là, t'es chaud là Zama? Mais je t'ai déjà invité hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te défier. Dans un combat, dans les règles, je sais pas. Tu connais le crevette d'avant? Je connais ni le crevette d'avant, mais je connaîtrai plus celui d'après après ce que je vais faire. Vous voyez ce type? Il s'appelle Tounsi. Non, je vois pas. Et Tounsi, à partir d'aujourd'hui, toute ma communauté, je tiens à vous dire qu'il s'appelle Maggie. Maggie. En fait, un jour, un très grand, magnifique bébé m'a appelé Maggie. Et depuis, c'est. Quand on dit Tounsi, je me retourne même pas dans la rue. Donc toi, officialise ce que je dis. Appelez-moi Maggie, s'il vous plaît. Maggie. Et tu es prêt à changer ton nom sur le profil? Écoute, mettre Maggie? C'est une nouvelle vie et je suis prêt à mettre Maggie. J'ai peur que après, les gens ils me retrouvent plus. T'inquiète pas, ils vont te retrouver. Non, maintenant vous savez que c'est Maggie. Maggie. Bah, quand je vois ça, je me dis encore plus que je vais t'éclater. Voilà. C'est quoi ce shadow, mon frère? De quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde! Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est du bidus. En fait, en gros, si je comprends bien, c'est ce que tu comptes me faire. Là, là, c'est exactement ce que je compte te faire dans le futur, dans un futur très proche. D'accord. J'espère vraiment qu'il n'est pas réveillé, parce que ça va chier. Non, vous êtes sérieux les gars ou quoi? Quoi? Non, vous êtes sérieux ou quoi? Il y a école? Non, ça te fait rire ou non? Je rigole pas là, regarde. Ça te fait rire? Non. Il y a école demain? Oui. Vas-y, gars, va à ta chambre. Va à ta chambre, s'il te plaît. Mais on commande un truc. On a le commande à manger. Montre-moi ce que tu étais en train de faire avant que j'arrive. Du coup, je vais prendre deux pâtes au poulet et avec les canettes. Deux canettes. Deux pâtes au poulet, ça veut dire que toi aussi, t'es dedans en fait. Bah oui. T'es le grand frère, au lieu de lui dire non, papa, il va arriver demain à l'école. Normal. On a faim. On a faim. Sinon, tu veux des pâtes toi aussi? T'es sérieux là? Oui. Ouais, vas-y, calme. Moi, je sais ce qui se passe. Regarde, t'as vu là, je suis en train de te parler. Il est bientôt 4h du matin, t'as envie de rigoler. Commander des pâtes à 3h30 du matin. Demain, il y a école. L'école, ça demande beaucoup de concentration.
du sérieux. Et tout ça, c'est du travail qu'il faut faire en amont. C'est-à-dire dormir tôt, pour se lever tôt, et aller à l'école avec un bon moral et pas fatigué pour être concentré. Moi, je vais pas crier. Mais je vous jure que c'est la dernière soirée et c'est la dernière fois que vous faites ça. T'as compris ou pas? Oui, papa. Rigole bien, oui, papa, oui. Ça, je l'ai entendu 20 000 fois. Ça, tu vois, mais rigole, voilà, rigole. Mais je te promets que c'est la dernière fois. Prenez vos pâtes, mangez-les bien. Mouah, mangez-les bien. Mais toi, t'as vu, toi? C'était toi qui étais à la tête de toute cette organisation. Et toi, tu voyais tout ce qui s'est passé en tant que grand frère. Je peux pas te faire confiance. Mais j'en suis sûr que Néané, il aurait été réveillé. Il vous aurait jamais laissé faire ça. En fait, c'est à Néané que je dois faire confiance, pas à vous. Mangez bien vos pâtes et bon appétit. Et au passage, ramenez-moi ma troisième commande. Mais attendez, il y a une question que je me pose. Vous l'avez trouvé où cet argent? Je vais couper tout ce qui, tous les effets déclencheurs qui vont qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui va être fini. C'est trop gentil. Qu'est-ce que je veux faire? C'est mes enfants. Moi qui viens chercher la commande. La commande, non seulement elle est salée, 90 euros, et en bas, il y a marqué merci frérot. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des bons clients ou quoi? C'est des très 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 bons clients, tes enfants. T'es sérieux? Sérieux. Tous les soirs, c'est comme ça? Tous les soirs, surtout Néané. Néané? Ouais. Mais là, il dort Néané, il n'est pas dans la commande. Pas que tous les soirs, il commande. Eh ben écoute, mon frère, moi, je te souhaite une bonne tournée et un bon courage. T'es très motivé, ça me fait plaisir. Mais je tiens à te dire que ces clients-là, à qui je leur ramène la poche, tu risques pas de les revoir. À très bientôt, mon frère. Ciao. C'est bon? Ouais. Appréciez bien les gars. Dégustez. Régalez-vous. Parce que vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est la dernière fois. Je vais tout verrouiller. Donc régalez-vous les gars. Bon appétit. Merci. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont fini leur assiette sans aucun état d'âme. Ça leur a ni coupé la faim que je me mette en colère, ni quoi que ce soit. Toi aussi. Ouais. Voilà. Et moi, papa, regarde, j'arrive même pas à manger tellement je suis en colère. Ben mange. Mange. Avec tout ce qui vient de se passer, tu viens me sortir que tu as fait une commande d'habits dans un site et que ça coûte 76 euros. Ouais. Avec tout ce qui vient de se passer, tu m'en rajoutes une couche. Et j'imagine que ce site, c'est Tounsi. Ben oui. Demain, je vais aller le voir. Bébé Slimy, viens, lève-toi. Attends, je dors un peu. De quoi? Attends, je dors un peu. Mais il faut aller à l'école, là, faut se lever. Non, attends, je dors un peu. Mais... Tu te lèves pas? Allez, bébé Slimy, lève-toi. Non. Pourquoi? Je ne veux pas. Pourquoi, tu veux pas y aller à l'école? Ouais. On se lève. Mm-mm. Bébé Slimy, lève-toi et à l'école. Pourquoi? Pourquoi? T'es fatigué? Oui. Dis-le. Fatigué. Bébé Simé dort. Lève-toi, on va à l'école. On va à l'école. Ah, lève-toi, on y va. Non! Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Dormir. Pourquoi faire? Pendant que d'autres ont les yeux qui piquent, bah lui, bébé Simé, il dort tôt, il se coiffe, hein? Mais t'as mis de l'eau de partout dans le tricot. Non. Mais où? Non. Il est beau, Slimane. Dis merci, papa. Merci, papa. Bonne journée, la team. Bonne journée, la team. Regarde-nous, regarde-nous. Un sourire. Un sourire. Le méchant. Voilà. Regardez-moi cette tête. Ça pique les yeux. T'as envie de dormir, hein? Non. Allez, on va à l'école, mon fils. Allez. Comme ça, tu comprendras. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je reçois des messages. Raid en comportement, raid en retard. T'as compris? Donc aujourd'hui, ne t'amuse pas et que je reçois aucun SMS. T'as compris? Bon, allez. Bonne journée. Bonne journée. Ça me fait rire. Oh, les bisous à papa. Allez. Allez, bonne journée. Bonne journée. C'est pour toi que je le dis. Ciao. Rising up, back on the street, did my time.
journée, Simen. Bonne journée. Ciao. Ciao. Allez voir ta classe. Oui. Regardez sa démarche. Oh là, on dirait les géants dans les dessins animés. Kerim, c'est quoi cette démarche? On dirait un géant dans les dessins animés, mon fils. Regarde-moi. Eh oui, hier, vous voulez dormir tard, mon fils. Allez, monte, monte. Bon, les gars, s'il vous plaît. Ça, là, j'ai encore ce problème de mon scooter. Toutes les personnes qui savent le faire ou qui veulent bien me donner un coup de main. Parce que je pense aujourd'hui, je vais devoir le réparer. Je suis à la recherche des outils, juste des outils pour démonter mon scooter. Et du coup, je vais l'installer moi-même. Ou s'il y a des gens qui savent le faire ou qui veulent bien venir m'aider. Avec plaisir, n'hésitez pas à envoyer un message, je vous répondrai directement. T'as vu, je me mets trop tard, c'est ma gueule, elle va dans mon chaos direct. Descends. T'as vu, donne mes clés là. Non, descends. Oh, je vais être méchant, j'ai pas envie d'être méchant. Descends. Tu peux me passer mes clés, toi? Ouais, moi aussi, j'ai pas envie d'être méchant. Oh. Tu cherches les problèmes là? Oh là, il est peut-être descendre. Oh là, c'est le coin d'un bout, c'est une tête désordre. Oh là. Ah, je suis mort, oh là. Que tu donnes des coups de pression. Elle s'en fout de fou. Non, 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 Lisa. Est-ce que victime c'est... Oh, ça va le victime, bah, voilà, t'es une victime. Wesh, frérot, tu m'as dit quoi? Café, c'est monstre, on a vu au KFC, il est là. On va KFC, Parigo. Attends, je vois pas. Attends, tu manges KFC là? J'ai pris du poisson, mon frère. Quoi? J'ai pris du poisson. Eh! T'es dommage, j'ai pris du poisson, frère. J'ai pris zéro poisson, hein. J'ai pris du poisson. Les poulets, ils sont piquants. Ah! Sale. C'est ça, tu fais moi? Quoi, toi? Poisson. Coucou, copine. Papa. Oui. Bon, depuis tout à l'heure, je vous avoue, j'étais en train un peu de faire la de ma toilette et tout, parce que du coup, j'ai pas eu le temps du tout. Bon, je vous fais un petit room tour, vous êtes prêts? Alors, la cuisine, on commence par ça. Voilà. Ma petite cuisine d'amour. Je suis fan, je vous le dis. Bref, tout est rangé déjà. Il y a de la vaisselle, hein. Là, il y a quelques trucs déjà. Hop. Petit four. Doucement, doucement. J'ai même le truc pour le sel et le poivre. C'est génial. Bon, ensuite, là, j'ai toutes mes machines. J'ai toutes mes petites machines. Ensuite, ma porte d'entrée. Bon, là, ça va être la chambre de Asia. Voilà, je vais fermer. Je vais tout fermer parce que ça sert à rien. Si quelqu'un vient, il va faire la crise. J'ai pas envie. Je suis à deux doigts de mettre le cadenas là. Mes petites toilettes. Voilà, la salle de bain. Ma petite douche et mon petit balcon. Laisser aérer, c'est super important. Bon, j'avoue, j'ai fermé tard parce que j'étais en train de m'habiller, j'avais super froid. Ma primo, il adore laisser ses chaussures. Un soutien-gorge, qu'est-ce qu'il fait là? Ma serviette, faut l'étendre. Bon, allez, je m'habille, je file. Et ensuite, je vais aller faire des petites courses. Quoi, c'est mission meuble là? Ouais. Bon, allez, je viens vous aider. Regarde-moi, Lina. Ouais, t'es sexy. Je sais pas, vous savez quoi, les filles, en 2024,
Genre, vous aimez trop mettre des... Genre, je sais pas, des trucs serrés et tout, genre... Je sais pas, moi, j'aime pas. Genre, je mettrais un sondage. Qui est pour les trucs collés et qui est contre les trucs collés, genre? Moi, ça dépend quel vêtement, en fait. Ah ouais? Je fais genre des combis comme ça, ok, mais si c'est des jeans, jamais. Non, pas les jeans. Genre, un jean, ça colle, c'est normal. Genre, ça, ok. Mais genre, des trucs vraiment collants. Ça m'a des cyclistes, genre, sans les shorts longs et tout. Genre, moi, perso, je pourrais pas. Vraiment, je pourrais pas, genre. Franchement, on se racontait nos petits potins et tout. Genre, c'était trop cool. Vraiment. Genre, on était en train de raconter qu'on voulait toutes devenir avec des bricoleuses et tout. Genre, on voulait lancer la truc. On va être bricoleuses. Attendez seulement. Quand Babichou sera né, j'en reprendrai un autre. Genre, faut pas tout mélanger. Genre, je peux pas mélanger Baby avec les autres. C'est normal. Bon, allez, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qu'ils font. Déjà les gars, je tiens à vous féliciter parce qu'hier, on s'est pas fait virer de l'hôtel. Je suis très fier de vous les gars. Mais aujourd'hui, on est pas des petits, nous, on n'est pas des petits. On n'est pas des petits. On a la mentale. On a la mentale. D'accord, mais bref les gars, aujourd'hui, c'est lavage d'auto pour vous. Comment ça, wesh? Moi je suis pas un petit, moi, même petit frère, il nettoie pas la voiture. Pas moi. Moi je suis pas un petit. Et moi je Ah, donc vous lavez pas la voiture? Non, c'est sûr. Non, je suis sûr. Sûr. Vous voulez pas laver la voiture? Moi mon rêve, je suis pas un petit grand frère. Dernier mot? Au dernier mot. Dernier mot? D'accord les gars. Et voilà, on n'est pas des petits, Tu me déçois, voilà. Mais allez, va taper les tapis, moi, dépêche-toi. Les tapis, allez, ouais. Voilà, on n'est pas des petits. Allez, lave, on n'est pas des petits. Allez. Allez, on reprend le boulot. Tu fais quoi? C'est à cause des petits frères tout ça? Lave la voiture, s'il te plaît, merci. T'es sûr de ne pas vouloir faire les tapis? Non, grand frère, moi je suis rien du tout, mon gars. T'es sûr? Eh ouais, tu m'as. Ah bon, regarde, viens avec moi. Tu vas me faire 10 pompes tout en regardant le tapis. Non, voilà, ça c'est pas carré. Allez, dépêche-toi. Une. Deux tapis. Deux. Voilà, nique ta race, tapis. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez, sept. Tapis. Huit. Neuf. Dix. Allez, alors du coup, tu vas refaire les tapis ou pas? Inch'Allah. Eh ouais. Tu veux toujours pas faire les tapis? Non. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ouais. Eh ben là, tu vas me faire 10 abdos tout en regardant le tapis. Voilà, t'es oui, sûr. Allez. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. Eh, t'es lent. Wallah, t'es super lent. Allez, va me faire les tapis, dépêche-toi. Par contre, la famille Mortez, il a lavé toute la voiture, niveau aspirateur. Voilà, Mortez, ça c'est bien. Allez, range-moi ça, dépêche-toi. Là. J'ai trop souffert avec eux, Wallah. J'ai lâché Hakayat. Je guette la panique sur le net, drapeau des aides sur le Titanic. T'as compris que je pars à la conquête. Pas d'accord parental, pas de collard de Valentine. Ne faites pas l'ancien Valentine, mais je pourrais piquer. Je fais crier le bordel dans le tunnel, j'ai dû couper les ponts. Bon, on rentre à Perpi? Ouais, à fond. Ça y est. Là, il fait trop moche. Temps, voilà, il est voilà, trop. Ça on rentre, hein. On rentre, on se casse. Perpi, on arrive là. Et Perpi, oui, où on arrive? J'ai lâché Hakayat. Le trafic a changé nos vies dans la cahier. Ça fait 2 minutes, on a décollé, mais tu veux quoi? J'ai envie de caca. Caca, j'ai envie de caca. Mais on vient juste de décoller, carcasse, on vient juste de décoller. Oh, mais là, c'est précis, c'est mort. Là, j'ai envie de chier, j'ai envie de caca. Mais j'ai une question. Pourquoi à chaque fois qu'on décolle, t'as toujours envie de faire caca? Je sais pas, j'ai trop gras et j'ai envie de caca. J'ai envie de faire caca. Eh ben, retiens-toi, mon pote. Sérieux?
Dans cette photo, la famille, il n'y a rien qui va. Dans cette photo, tu peux voir qu'il y a Asia en train de se brosser les dents. De un, mais pourquoi elle fait cette tête-là quand elle se brosse les dents? On dirait qu'il y a le dentiste en train de lui arracher les canines. Bref, il n'y a pas que ça. Regardez la coque de son téléphone. Wesh! Wesh! Ah voilà, cette fille, elle va jamais s'arrêter. Elle va me choquer. À chaque fois que je vais la voir, elle va me choquer. Ah, mais je comprends pas, il y a une heure, tu m'as dit que t'avais envie de faire caca. Ouais, mais vas-y. J'ai vu de la bouffe, j'avais plus envie de faire caca. T'as vu de la bouffe, t'avais plus envie de faire caca? Ouais. Là, tu sais que t'es un sacré spécimen, mon pote. Oh là, tu me fascines. Toi, le spécimen, grand frère. C'est mon frère et c'est comme mirage. Mirage. Lui, la famille. Wesh! C'est quoi ces contours? Qui t'a fait ces contours? Ton père? Non. C'est qui? C'est un coiffeur. Un coiffeur? Ouais, excuse-moi, crevette. S'il te plaît, mon frère. T'as vu, là, je viens de voir ton fils. Il a des contours. On dirait qu'il a été fait au Space 12. S'il te plaît, qui lui a fait ça? Viens voir le coiffeur tout de suite. Tu l'as vu? Je l'ai vu. C'est une dingue. Voilà, moi, j'ai voulu lui faire, frérot. Je voulais lui faire un truc classe. Je voulais apprendre parce que j'ai envie de me lancer dans la coiffure. Parce que c'est vraiment demandé. Et je crois que je l'ai raté, non? Mais tu l'as pas que raté. Tu l'as fait une aire d'autoroute, mon frère. Frérot, j'ai 4 enfants. Bon, si j'ai envie de faire un truc, je fais un truc. Va t'occuper de ta démo. Tiens, ça, c'est ça spécial, ça. Sé que te gusta más que un primer día de verano. Ya. Banana qui est avec lui. Ouais. Je lui plais. Tu lui plais, hein? À quoi t'y vois? J'y vois. C'est aux yeux, Chico. Ne mange jamais lui. You wanna play yourself and no one else. Alright. Banana qui est avec lui. Ouais. Je lui plais. Tu lui plais. Banana qui est avec lui. Blue Magic Corp que je représente. What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me?
Ah, ouais. Il faut une flèche, c'est quoi? C'est pour ça que je te kiffe, parce qu'on a passé des moments ensemble, et t'as vu l'humain des fois, il n'en faut pas beaucoup. Moi je te kiffe, je t'oublierai jamais. On a passé peu de temps ensemble, mais c'est ça la vie. Moi c'est pour ça que je te kiffe. C'est trop. C'est trop les blocages. Les blocages, c'est trop.